Botanique est un jeu de pose de tuiles pour deux joueurs. Le but est de gagner le plus de points en libérant des tuiles et en construisant sa machine. Le monde de Botanique est au bord de l'extinction. Mais l'espoir renaît grâce à une scientifique capable de créer des plantes à partir d'un système mécanique. Et nous dans tout ça? Les joueurs incarnent des mécas botaniciens en concurrence et construisent chacun leur propre machine. Au début de la partie, elle n'est composée que d'une tuile source. Le plateau représente un registre, avec 5 tuiles placées au centre. Dans Botanique, les tours sont un peu particuliers. Une partie est composée d'un certain nombre de phases, et chaque phase se déroule toujours de la même manière. Celui qui possède le pur méca commence par piocher 3 tuiles, qu'il pose face visible dans la zone d'arrivage. Il en choisit une et la pose dans le registre. Son adversaire fait de même, et le premier joueur prend la dernière tuile. Le pion méca passe au joueur suivant, et une nouvelle phase commence. Les tuiles ne se placent pas n'importe comment. Lorsqu'il doit poser une tuile, le joueur a le choix entre la poser de son côté ou sur la zone centrale. S'il choisit de la mettre de son côté, il doit la placer sur un espace vide, et la tuile doit avoir un lien avec celle qui lui fait face. Ce lien peut être la couleur ou le type. S'il choisit de la mettre au centre, il n'a aucune restriction. Par contre, il va peut-être libérer des tuiles. Une tuile est libérée lorsqu'elle n'a plus de lien avec la tuile centrale qui y est reliée. Lorsqu'une tuile est libérée, son joueur peut la placer dans sa machine. Elle doit être adjacente à une autre tuile et il n'est pas possible de bloquer un tuyau. Enfin, les joueurs n'ont pas le droit de créer un circuit fermé. Si la tuile libérée est un méca botanicien, il doit être échangé contre une tuile de la pile centrale. Et les règles de libération s'appliquent. N'oublions pas notre objectif. En fin de partie, chaque fleur rapporte un point de victoire si elle est reliée à un tuyau de même couleur. Les groupes de même couleur d'au moins 3 tuiles donnent aussi des points. Pour conclure, Botanique est un jeu aux règles simples et à la stratégie pas si simple que ça. Comme le plateau est partagé, l'interaction est omniprésente, et chaque choix a des conséquences sur son jeu, mais aussi sur celui de son adversaire.